Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau chapitre consacré à l'Alliance intergalactique des nations stellaires. Je suis Boris Raven et je suis en compagnie d'Yvan Poirier. Yvan, comment vas-tu? Salutations, je vais très très bien. Tu vas très bien, tu vas toujours très Et bien, j'ai toi-même? l'impression. Eh ben écoute, je vais particulièrement très bien aujourd'hui. Ah, c'est de la musique à mes oreilles. Eh ben écoute, je me sens en joie. Donc je suis très content de faire cette nouvelle vidéo avec toi. Et aujourd'hui, on va parler donc des Arcturiens. C'est bien ça. Tout à fait. Alors Yvan, est-ce que tu peux... Moi personnellement, je ne connais pas du tout. J'ai déjà entendu le nom Arcturien. Par contre, je vois pas du tout qui ils sont. Alors si tu peux nous expliquer un petit peu de quelle planète ils viennent, leurs origines. Voilà. Très simple. Vois-tu, les Arcturiens, qui est une des races extraterrestres qui nous accompagnent durant le processus ascensionnel, ont vraiment un travail intrinsèque à faire avec nous et un travail extrinsèque aussi à faire avec nous. Donc, ils se manifestent autant dans la matière que dans la lumière, que sur le plan moronciel, que sur le plan éthérique. Bref, dans l'ensemble, ils sont omniprésents parmi nous. Ils sont très proches de nous, ils se rassemblent de plus en plus. Quand je parle proche de nous, là, c'est même sur un plan physique, sur un plan éthérique, sur un plan moronciel et aussi sur un plan D'accord. anthropomorphique. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure. Ainsi donc, les Arcturiens sont originaires d'Arcturus. OK? Arcturus, c'est une étoile en fait. C'est une étoile rouge. En fait, qui est plutôt orangée, là, tu sais, plutôt orangée, parce qu'elle est en fin de vie, en somme. C'est la plus Ah. brillante des constellations de ce qu'on appelle du Bouvier. Donc, D'accord, je connaissais pas. évidemment que ce sont des êtres assez particuliers, comme par exemple, ils ressemblent lorsqu'ils se présentent devant nous. Ce sont un peu comme des humanoïdes, mais leur apparence est très différente à ce qu'on pense, puisqu'ils sont un peu comme mi-homme, mi-lion. Donc, oui, ils ont une Ah oui. crinière, un peu comme un lion, puis ils ressemblent étrangement à un lion. Je te donne un exemple analogique. Tu as sûrement vu la série La Belle et la Bête. Donc, c'est un exemple que je Ouais. donne là. OK, c'est pas parfaitement ça, mais ça a des similarités assez importantes lorsqu'on parle de la bête en tant que telle qui est mi-homme et mi-lion. Ah ouais, je vois bien. Donc, je te donne un exemple, D'accord. OK? Ils ont un aspect majestueux. Donc, c'est beau de les voir. Et leur grandeur peut varier entre 2 m 10, 2 m 50, et ça peut aller jusqu'à 3 mètres. Je vais t'expliquer pourquoi. Cela n'a rien à voir à la grandeur que nous connaissons. Tout est en fonction du taux vibratoire de ces êtres, puisque plus le taux vibratoire est élevé, lorsqu'il se pointe, par exemple, sur un plan, on va dire, entre guillemets, physiologique, automatiquement, on peut lire leur taux vibratoire à leur grandeur. OK, leur grandeur. Donc, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie en tant que telle. Il y a des leaders là-dedans. Y a des êtres qui sont responsables de leur propre conclave. OK, ça, c'est correct. Mais ça, c'est simplement ce qu'on appelle de l'aiguillage. Puis il y a aussi, si tu veux, du travail en parallèle qu'ils font entre eux lorsqu'ils travaillent soit en groupe, ou soit en catimini ou seul, et parfois qui sont individuels avec certains êtres, donc certains êtres humains. Donc, ils vont le rencontrer. Ça peut être sur un plan éthérique, ça peut être aussi au niveau des rêves, ça peut être au niveau, par exemple, anthropomorphique, c'est-à-dire que la personne avec laquelle ils sont en contact, en communion, se rencontre dans la cinquième dimension. Qui fait en sorte qu'il porte ce qu'on appelle un habit, mais ça entre guillemets, un habit anthropomorphique. D'accord. Donc, un habit anthropomorphique, c'est un habit en fait qui rassemble, par exemple, tu sais, des fois, on voit des images
qu'on retrouve sur Internet d'archanges, d'anges. Puis on voit des infrastructures, par exemple, géométriques au-dessus de leur tête, etc. En cinquième dimension, c'est ce qu'on appelle les images anthropomorphiques, de la façon qui se pointent. Ce sont des images, entre guillemets, de lumière. D'accord. Donc, ils ont une douceur excessive et une beauté simple. Ils sont très humbles dans leur approche, mais leur douceur, je te dis, c'est une douceur qui est inexplicable. Ils ont la douceur d'une maman. Je te donne un exemple là, analogique. Ils ont d'une maman, ok, qui est avec son enfant et qui allaite son enfant. Ah oui. Mais dans le sens que lorsque nous sommes en communion avec eux, on sent leur présence en notre présence. C'est d'une présence à une présence. Je t'avoue sincèrement que c'est vraiment extraordinaire de vivre cette expérience-là. Ça nous permet justement de traverser plus facilement les voiles de la peur, du doute. De toute façon, lorsqu'ils se pointent, on ne peut jamais avoir peur. On ne peut jamais craindre. Ce que nous ressentons, c'est une joie intense. Et même lorsqu'on communique, et on communique, mais surtout, il y a une communication télépathique qui peut se créer, mais surtout une communion vibratoire avec eux pour pouvoir nous rejoindre d'une façon de fréquence à fréquence et de présence à présence. Et je veux dire simplement que présence à présence, ça signifie quoi? C'est que nous sommes tous et toutes des êtres multidimensionnels. Lorsque nous sommes dans une pensée créatrice ou une pensée multidimensionnelle, cette pensée-là se propage partout dans toutes les dimensions à la fois parce que nous sommes dans toutes les dimensions. Et toutes ces dimensions-là sont à l'intérieur de nous. Donc, notre présence intérieure dans notre multidimensionnalité, pardon, notre multidimensionnalité s'exprime également dans leur propre multidimensionnalité, ce qui fait en sorte qu'ils viennent nous habiter. Donc, nous ne formons qu'un avec eux. C'est ce que je voulais signaler. Je pourrais peut-être en parler plus longuement, mais je pense qu'on va s'attarder sur d'autres choses. Évidemment, pour continuer, si tu me permets, au niveau de leur lignée, ils ont des lignées d'appartenance, évidemment, mais aussi des apparences, OK? Je vais dire qu'ils ont des apparences, pour certains, des apparences de guerriers, parce qu'ils sont aussi des protecteurs. Okay? Donc, des protecteurs pour certains êtres qui accompagnent. Ils sont aussi des guérisseurs, parce qu'ils ont aussi cette capacité d'aller guérir. Lorsque je parle de guérison, là, je ne parle pas de guérir un maux de tête. Je ne parle pas de guérir une maladie, un cancer. Je parle de guérir, de faire en sorte qu'il y ait une transcendance qui se fasse à l'intérieur d'une personne durant son processus de transition. Donc, ils vont aider la personne à vivre la guérison ancestrale des mémoires existentielles dans son âme. Ce qui fait en sorte que la personne qui va vivre cette expérience-là va vivre une joie de plus en plus intense à l'intérieur d'elle, en plus d'une paix et d'une sérénité qui va se créer. Parce que, vois-tu, il y a aussi les êtres, je te parlais d'apparence, mais il y a les êtres qu'on appelle les grands sages. Les grands sages, c'est eux, en fait, qui sont, on pourrait dire, les porte-étendards des Arcturiens. Ils ont un rôle fondamental d'aiguillage et aussi de conseil très pratique pour les groupes auxquels ils sont responsables. Ça va? En passant, évidemment qu'ils ont la maîtrise totale de leur énergie parce qu'ils sont, en passant, parfaitement androgynes, hein? Même s'ils ont des apparences dites masculines ou féminines, parce qu'il y a évidemment des apparences masculines et féminines, et leur apparence dans l'ensemble, c'est comme je te disais tout à l'heure, soit l'apparence d'un lion avec une crinière, ainsi qu'une lionne sans crinière. Tu me suis? On aura peut-être certaines images qui vont apparaître là. Évidemment que j'avais déjà parlé un peu des Arcturiens et on avait quelques images. Peut-être que ces images-là pourraient allumer les gens parce que j'ai parlé d'eux autres au cours des derniers mois dans ce qu'on appelle ce que j'écris là, par exemple, dans les chroniques, etc. et dans les réponses. Donc, ils sont parfaitement endogènes. Oui. Et leur mission avec les habitants de la Terre,
visiblement ils viennent aider, mais quel est leur rôle exactement là-dedans? Et ils ont un rôle parfaitement, évidemment, vibratoire, qui est, ils sont en somme les messagers, parmi les messagers, mais ils sont des messagers très particuliers, parce qu'ils sont les messagers des fréquences autant archangéliques, autant archangéliques reliées à Christ Michael, ou ce qu'on appelle ces fréquences-là, autant mariales et autant christiques, ou si tu préfères, kéristiques, comme on dit là, dans notre langage. Ils sont menés par l'archange Métatron. Métatron, ça se trouve à être, si tu veux, l'archange qui les aiguille, en fait, en vue de la transformation, en vue de la transsubstantiation des cellules. Parce que on sait que Métatron travaille énormément avec ce qu'on appelle des clés métatroniques, ce qui signifie simplement que ces clés-là viennent pénétrer, en fait, viennent s'intégrer à l'intérieur de nos cellules afin que nos cellules éclatent, entre guillemets, un peu comme des maïs soufflés, pour te faire une analogie, et pour que, évidemment, le travail se fasse au niveau de l'ADN à ce qu'elle redevienne ce qu'elle était initialement, ce que l'ADN était initialement, soit un ADN quantique. Donc, ils interviennent, évidemment, entre autres, dans la création par des corridors qu'on appelle des corridors interdimensionnels. Et ces corridors interdimensionnels-là leur permettent de passer à travers avec leur vaisseau de lumière, parce qu'ils possèdent évidemment des vaisseaux de lumière. En passant, ce ne sont pas des vaisseaux de tôle, comme si tu me permets l'expression, ce sont des vaisseaux de lumière. À ce moment-là, ils travaillent avec l'intra-terre dans le sens avec le centre cristallin de la Terre et avec les êtres qui habitent le centre cristallin de la Terre, donc différentes races extraterrestres, dont par exemple les delphinoïdes, entre autres. Et c'est eux, en fait, qui sont à la base de ce qu'on appelle les crop circles, ou en français, là, les cercles céréaliers. Sûrement, tu as entendu parler de ça. Bien Mais OK, sûr, les bien sûr. cercles. Mais c'est eux qui laissent encore les traces aujourd'hui, ou ce Oui, n'est pas qu'eux qui laissent ces traces-là? c'est eux autres qui sont, si tu veux, à la création. OK, ils ont une façon, évidemment, une technologie de pointe très, très avancée. Un peu comme nous autres, on va faire, pour te donner un exemple très simple, c'est un peu comme nous, on va faire une photocopie. OK, une photocopie à partir d'une machine qui fait des photocopies, ou une machine, par exemple, qui va créer. Par exemple, une page quelconque, puis à ce moment-là, il la transfère sur un plan énergétique, sur le plan physique, c'est-à-dire en faisant ce qu'on appelle des cercles céréaliers ou des crop circles. En passant, Et ça, les crop circles, ils les laissent pour nous laisser un message, ou pour laisser leur vibration sur la planète Terre, justement. Un symbole qui déclenche une énergie, quelque chose qui se libère. Tout à fait. Et ça, je vais t'en glisser quelques mots. Pourquoi? Parce qu'il est important de comprendre. Je vais t'expliquer initialement d'où ils proviennent. D'où proviennent, évidemment, leur travail. Eux autres, actuellement, ils sont sur l'un des anneaux de Saturne, sur la planète Saturne. OK? Ils font partie de cet anneau-là, en fait. Et lorsqu'ils se pointent, ils traversent évidemment ce qu'on appelle notre ciel, mais surtout, ils sont capables, avec leur vaisseau spatiaux, de pouvoir traverser ce que moi j'appelle la frange d'interférence. En fait, c'est ce qui nous sépare, la frange d'interférence, du monde de la lumière au monde des ténèbres dans lequel nous vivons actuellement. Et lorsque je parle du monde des ténèbres, nécessairement, je parle de tout ce qui est relatif à ce que nous vivons ici, communément appelé l'enfer ou l'enfermement ou l'emprisonnement dans lequel nous sommes, qui est une troisième dimension, qui n'est pas encore unifiée. Donc, ils travaillent avec des énergies très particulières qu'on appelle les énergies de la création. Il y a un terme à ça qu'on appelle les Ayot HaKodesh, qui représentent en fait les quatre lignées de la création. Et ces lignées de création proviennent de la 24e dimension. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'ils travaillent avec ce que nous connaissons ici, dans notre monde, les quatre éléments. Ce sont des quatre éléments, mais qui sont à la base de la création. Lorsqu'on parle des quatre éléments, on parle de la terre, de l'eau, du feu et de l'air, évidemment.
OK? Et tous ces éléments-là sont à la base de la création. Mais ils se servent de ces énergies qui sont en somme des énergies fractales qui permettent justement de créer. Mais nécessairement, ils ont besoin d'un esprit créateur pour le faire. Donc, ce sont des esprits créateurs qu'on appelle le cinquième élément. Dans notre monde, le cinquième élément, ça se trouve être notre étincelle à nous, notre étincelle qui est l'esprit, ou l'Esprit Saint pour certains, là. Ça se trouve être l'Esprit Saint qui vit dans la vie systémique, donc dans toutes les vies des systèmes, des mondes, ainsi que des dimensions. Donc, il crée des vortex d'énergie qu'ils ramènent avec leur vaisseau de lumière, traversant cette frange d'interférence, et qui arrivent ici, et qu'ils font à ce moment-là, ils fabriquent, en fait, un peu comme je te disais tout à l'heure, une photocopie, une photosynthèse, OK, de ce qu'on appelle de leur crop circles, et qui placent nécessairement aux endroits très spécifiques. En passant, les endroits très spécifiques, où est-ce qu'ils placent ça? Ça se trouve être des endroits qui sont telluriquement, on pourra dire, avec ténébreux, entre guillemets, dans le sens qu'ils possèdent ces endroits-là des lignes de prédation suite à des événements, suite à des guerres, etc., etc. Donc, ils viennent purifier la Terre parce que vois-tu, le crop circle a deux fonctions, ben, plusieurs fonctions, mais on va dire deux, là. OK, il y en a une d'éveil de conscience, okay, dans un premier temps, et il y en a une aussi qui vient telluriquement nettoyer, épurer ce qui a été, ce qui appartenait. Pourquoi? Parce que ces crop circles sont des portes interdimensionnelles. Et ces portes interdimensionnelles-là ont directement une liaison avec la septième dimension, qui est une autre dimension de lumière. Parce que dans la septième dimension, tu travailles encore une fois avec leur corps anthropomorphique, avec leur corps de lumière, leur corps d'être-té. Ils travaillent avec ça. De plus, ils travaillent surtout avec le cinquième rayon. Le cinquième rayon est relié à ce qu'on appelle, nous autres, le rayon de la connaissance secrète des énergies fractales. Donc, des énergies de création qui proviennent de la 24e dimension, donc des Ayot HaKodesh, ce dont je te parlais, les quatre lignées qui sont reliées évidemment à ce qu'on appelle l'eau, l'air, le feu, etc., la terre. Donc, je sais que ça peut peut-être paraître un peu complexe, mais il est important de comprendre leur présence, leur omniprésence ici et surtout leur omniscience, parce qu'ils ont une science vraiment exceptionnelle. Ils travaillent évidemment avec ce cinquième rayon-là. Ils travaillent avec ce rayon qui est un rayon. C'est un rayon doré en passant. Donc, Et tout le monde peut faire la demande de rentrer en contact avec eux. C'est tu n'as pas à faire de demande pour rentrer en contact et en communion avec eux. C'est eux qui rentrent en communion avec toi. D'accord. Systémiquement. C'est-à-dire qu'ils rentrent. Ils voient, ils sont en mesure de lire le taux vibratoire d'une personne, ses fréquences et aussi ses lignées interstellaires. Parce que la personne qui est en mesure d'entrer en contact avec eux, ce sont des vieux frères. C'est une façon de parler, là, des vieux frères. Nous sommes tous vieux à notre façon, non pas sur la Terre, mais dans les mondes, parce que nous existons, entre guillemets, depuis des milliards d'années. Mais c'est à nous maintenant à entrer en contact avec eux lorsque eux se pointent. On n'a pas à le demander, ça se fait tout seul. Donc, lorsque la personne est prête vibratoirement, il rentre en communion. Parce que la problématique chez l'être humain, c'est surtout le fait qu'il a peur. Il a peur. Qu'est-ce qu'ils ont l'air? Comment vont-ils communiquer avec moi? Tu sais, c'est toutes ces attentes-là, c'est toutes ces craintes-là qui font en sorte. Mais eux autres s'assurent que la personne soit vraiment dans un lâcher-prise, que la personne soit dans l'abandon. Bien sûr. OK? Donc, c'est ça. Donc Puis je surtout te disais. ne pas avoir d'attente, parce que c'est vrai que pour les gens qui regardent Non. ces vidéos, on parle de beaucoup de peuples qui viennent, on va dire qui sont dans des dimensions, des fréquences un peu plus élevées que la nôtre, et qui Ouais. viennent nous apporter leur aide. Et voilà, il faut surtout pas être en attente de rentrer
connexion avec eux, en communication avec eux. Ça se fait quand ça se fait et ça se fera si ça doit se faire. Oui, tout à fait. Mais leurs messages sont très clairs vis-à-vis les crop circles. Incidemment, et probablement au cours des prochaines semaines, je vais placer dans la presse galactique des messages qui proviennent d'eux à partir des crop circles, c'est-à-dire quelles sont les significations des crop circles qui ont été placés sur la Terre. Donc, ça va être en forme vidéo. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il reste peut-être un peu de raffinement à faire, en fait, et ça explique dans deux temps. Là, premièrement, le message, OK, qu'ils transmettent, et aussi ce que ça vient faire à l'intérieur de nous. Donc, les crop circles ont une très, très grande importance en ce qui nous concerne, en ce qui concerne tous les êtres humains de la Terre, parce que les crop circles, via évidemment les fractales, les énergies fractaliques, qui descendent sur la Terre et auxquels ils se servent, nous aident énormément à ouvrir nos corps subtils ainsi qu'à ouvrir nos chakras. Et lorsque je parle des corps subtils ainsi que des chakras, je parle des chakras supérieurs, des cinq chakras ainsi que les cinq corps subtils supérieurs. Parce que initialement, dans notre monde, dans notre corps physique, on en a sept, il y en a cinq qui ont été occultés maintenant, qui sont en train de se réouvrir. Donc, avec justement les crop circles et leurs messages et leurs vibrations et l'énergie fractalique, automatiquement et systémiquement dans tous les systèmes et dans toutes les dimensions de notre être, on est en mesure d'éveiller en nous ces nouvelles fréquences. Est-ce que tu me suis toujours? Oui, bien sûr, oui. Alors j'ai une question qui me vient juste, c'est sur le même sujet, mais c'est vrai qu'on a parlé dans ces vidéos des Pléadiens, des Végaliens, des Arcturiens, et souvent ils sont là pour, en tant que grands frères de guides, venir nous aider, et est-ce qu'entre eux, ils communiquent et s'aident entre eux aussi? Absolument, absolument, parce que vois-tu, ils travaillent, ils font partie de ce qu'on appelle des enfants de l'un, comme nous. Sommes des enfants de l'homme. Donc, les enfants de l'unicité, les enfants de l'union avec la source, les enfants de l'éternité, ou si tu préfères, les enfants de l'absolu. Nous sommes tous ça à travers. Et ils font partie de nous et nous faisons partie également d'eux. Parce que leur but, initialement, c'est de nous aider à ascensionner, tout comme les autres races. Donc, les autres races qui nous aident, on parle autant des races extraterrestres comme les êtres d'Orient. On a les êtres d'Alpha, de Centaure aussi, qui nous aident. Il y a aussi les êtres de Sirius. Il y a les êtres, les Pléadiens, les Végaliens. Ils travaillent très, très proche avec les Végaliens. Pourquoi? Parce que les Végaliens est la seule race physique, avec leur vaisseau de lumière, qui viennent travailler chez nous, physiquement, dans nos corps subtils, ainsi que au niveau de tout ce qu'on est à l'intérieur. Donc, autant des chakras, des corps subtils, que de l'antakarana, que du tube de cristal que nous avons à l'intérieur de nous, le canal central. Bref, de tout ça. Donc, ils travaillent énormément et en compagnie aussi des delphinoïdes de la Terre. Parce que les delphinoïdes à l'intérieur de la Terre, une autre race que nous parlerons prochainement, qui est une, on pourrait dire, une race supérieure aux dauphins, mais ils sont reliés évidemment aux dauphins. On aura l'occasion d'en parler pour éclaircir un peu la situation en ce qui a trait aux delphinoïdes. Et pourquoi je te dis ça? Parce que toutes ces races travaillent communément de même union vibratoire, ensemble, parce qu'ils ont un rôle particulier à faire. Autant les Pléiadiens ont un rôle d'arrimage et d'arrivée de la lumière et d'ouverture de portes interdimensionnelles, autant que les Arcturiens ont un travail de liaison avec les crop circles, entre autres. Donc, ils travaillent avec autant les rayons, avec évidemment tous les ondes, c'est-à-dire les ondes, ce qu'on appelle les ondes de vie qui proviennent du centre cristallin de la Terre, ainsi que des ondes de vie qui proviennent des ondes cristallines de la lumière, d'Alcyone, ainsi que des rayons cosmiques provenant des étoiles, etc. Donc, ils travaillent nécessairement d'une façon exponentielle avec ces mondes. Je vais t'apporter un élément important qui va nous permettre de comprendre un peu plus loin
leur relation avec les hindous, en l'occurrence. Ils ont apporté, sûrement tu as entendu parler du grand mantra qui s'appelle Om Mani Padmé Hum. Oui, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, c'est une vibration très particulière qui permet de réveiller en nous les cinq chakras ainsi que les cinq corps subtils. Donc, à l'écoute de cette vibration, cela nous permet justement d'ouvrir davantage le cœur, notre cœur évidemment, et aussi de nous aider graduellement à vivre l'ascension dans un avenir plus ou moins rapproché, dépendamment de notre fréquence. Et c'est à ce moment-là qu'on va vivre le retour au bercail, directement dans nos lignées interstellaires, ainsi qu'à notre origine stellaire. Donc, ils ouvrent évidemment les portes multidimensionnelles à ce que l'âme, comme telle, que nous. Parce que vois-tu, pour te faire une analogie encore une fois, l'âme ressemble étrangement aux crop circles. OK? Ils ressemblent énormément à des mandalas. Et ces mandalas ressemblent aux chakras. Et les corps subtils aussi, ça se ressemble énormément lorsqu'on les voit dans la lumière. Je ne dis pas que c'est pareil, je dis que c'est très similaire. Donc, leur préparation nous aide énormément à traverser les voiles que nous avons à l'intérieur de nous, qui sont sous-tendus évidemment par les peurs, le doute, la crainte, les croyances, les lignes de prédation, enfin bref, tous ces mécanismes-là qui nous empêchent de retourner au bercail. Donc, avec leurs propres énergies, leur façon de travailler, ils sont en mesure de rejoindre, si tu veux, les êtres Et humains par l'entremise de cette façon-là. Yvan, j'ai une question Oui? qui sort un peu de notre sujet, Oui? mais c'est vrai que là on parle de beaucoup de peuples qui nous aident. Oui? Et est-ce que une question qui me vient, est-ce qu'on est les derniers à avoir encore ce voile, ne pas être rentré encore au bercail? Non, non, je t'explique pourquoi. Nous sommes dans un monde actuellement. On sait que notre monde, au moment où on se parle, a été falsifié par les archontes, par la matrice, par le Nibiru, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a d'autres mondes qui sont aussi falsifiés comme le nôtre. On dénombre actuellement environ 70 autres mondes, okay, qui sont, si tu veux, dans la galaxie, qui n'ont pas été encore défalsifiés, c'est-à-dire unifiés, mais qui sont dans un processus, tout comme nous, de ce qu'on appelle d'unification. Donc ça, c'est en train de se faire. Bah, vois-tu, tout se passe par une fréquence. Tout se passe par une loi qu'on appelle la loi d'action de grâce. Et cette loi d'action de grâce, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer rapidement. J'invite les gens à écouter une audio que j'ai faite dernièrement, dans laquelle c'était le premier chapitre d'où je parle de l'ascension multidimensionnelle, cette nouvelle science. Je parle de la loi d'action de grâce et je donne suffisamment de détails pour que les gens comprennent. Or, je fais seulement que te signaler ça, là. Puis je fais ma parenthèse en passant, là. C'est pas une publicité, là. C'est simplement pour que les gens comprennent c'est quoi la loi d'action de grâce, à quoi elle sert. Donc, elle sert également ici, dans notre monde, tout comme elle sert également partout dans les autres mondes qui n'ont pas été encore désunifiés. Ils ne sont pas encore dans l'unification, mais qui sont en train de se faire. Donc, il y a des êtres humains qui travaillent en ce moment même avec les Arthuriens, en l'occurrence, avec d'autres races, que ce soit les Delphinoïdes, que ce soit les Pléiadiens, que ce soit les Végaliens, de toute évidence, ces êtres-là vont continuer le processus après leur ascension. Donc, ils vont aller aider ces êtres-là, ils vont retrouver leur lignée interstellaire et ils vont aller travailler avec eux, ils vont aller œuvrer au niveau de ces mondes qui ont besoin d'être désunifiés. Est-ce que je suis assez clair? Oui, d'accord. Ouais, j'entends bien. Et la question, c'est que alors nous, en fait, on aide qui? Si nous, on est complètement dans le voile encore, est-ce qu'on a une action à aider en tant que grand frère d'autres peuples, d'autres personnes, d'autres dimensions, d'autres, je sais pas. OK. Dans l'action concrète, je te dirais absolument pas. On n'a rien à faire. Cependant, dans l'action, ce qu'on appelle multidimensionnelle, on doit le plus possible rester tranquille.
Lorsque je parle de rester tranquille, là, je ne parle pas de rien faire, c'est pas ça. C'est à chaque jour, à chaque instant de notre vie, c'est d'être toujours être en communion avec l'intérieur, avec notre cœur, avec notre multidimensionnalité. Mais on peut, par exemple, avoir des activités. On peut aller faire autant nos courses, on peut conduire notre voiture tout en demeurant centré. Moi, ce que j'appelle dans le terme le néologue, le néologisme que j'ai parlé, qui s'appelle la luminocentricité. Donc, cette luminocentricité, c'est la centricité à l'intérieur de nous-mêmes, tout en faisant nos activités. Mais on reste centré sur nous-mêmes. Je ne parle pas d'égocentrisme à ce Bien compte-ci. sûr. Il y a aussi le fait qu'on doit, le plus possible, dans nos moments de paix, de joie, de rester, c'est tranquille évidemment, mais de rester en silence. D'entendre le silence intérieur, ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et ça, c'est important. Un autre élément aussi que je rajoute, c'est l'expression qui dit garder votre maison propre, ça n'a rien à voir à faire le ménage. On parle simplement de faire et de garder notre maison propre en gardant des pensées qui sont créatrices, des pensées qui sont multidimensionnelles. Donc, des pensées multidimensionnelles, ça ne juge pas, ça ne prétend pas, ça reste toujours humble, ça reste toujours authentique, ça reste toujours simple et ça reste toujours comme l'enfant dans son innocence. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est ce que nous sommes dans la réalité multidimensionnelle. C'est difficile parfois à croire ou à appliquer parce qu'on est encore omnibulé par l'ego, par le mental et par la personnalité, pensant que c'est ça notre identité cosmique. Je suis désolé pour ceux qui pensent ça. Non, ce n'est pas ça. C'est totalement faux. Parce que notre identité cosmique, on va la retrouver à partir du moment où on va être en communion vibratoire et en contact et en fusion avec notre corps d'être-té ou notre corps d'éternité, qui est la même chose. C'est notre corps de lumière. C'est notre corps divin, en l'occurrence. Ok. Et concernant les pour revenir sur les Arcturiens, actuellement, certains sont incarnés donc sur la planète Terre, ont une apparence comme la nôtre. Et C'est pas tout à fait l'incarnation dont vas-y, on parle. vas-y. Je te coupe la parole, je m'excuse, mais c'est pas une apparence comme on connaît. Ils peuvent se présenter, c'est qu'ils peuvent prendre le corps qu'ils veulent. Mais nécessairement, le corps, lorsqu'il se présente, c'est un corps qui ressemble étrangement à un mi-homme, D'accord. mi-lion. Parce que leur fréquence vibratoire dans leur monde, sur Arcturus, est évidemment qu'à partir un des anneaux de Saturne, comme je le signalais un peu plus tôt, okay, ils peuvent se présenter sur un plan morphologique, mais qui est beaucoup plus éthérisé, okay? Donc dans le sens éthérique, parce qu'ils ont cette capacité de le faire. Physiquement aussi, ils peuvent apparaître physiquement, mais ce qu'on va voir, c'est un rayon lumineux qui D'accord. les entoure, donc Donc là, dépendant de ils ne leur vivent pas fréquence. actuellement Est-ce que dans je suis notre assez société clair? avec nous, dans nos boulots. Si. Ils vivent D'accord. en parallèle, c'est-à-dire qu'ils ont accès à ce qu'on appelle au temps imparti, à partir non pas du temps linéaire dans lequel nous vivons, mais ils sont en mesure de s'identifier, de se placer à l'intérieur des mondes et à l'intérieur, si tu veux, des dimensions. Comme, je te donne un exemple très concret. Donc, on parle de première dimension, qui est une dimension de création. La deuxième dimension, c'est, on va parler par exemple de tout ce qui est relatif. Tu connais les fées, les ondines, les licornes. Ces mondes-là font partie de la deuxième dimension. Ils sont en mesure de se pointer là D'accord. plus facilement. En troisième dimension, ils vont se pointer, mais beaucoup plus avec ce qu'on appelle un corps, non pas anthropomorphique, mais un corps éthérique. OK? Ouais. Un corps de lumière. Mais on va voir leur apparence. On va voir leur apparence, qu'ils sont dans leur réalité, dans leur monde, d'où ils proviennent, en D'accord. l'occurrence. Ok, d'accord, Mais ils sont d'accord. omniprésents. Et est-ce que tu as autre chose à nous apprendre sur eux, à partager, qu'ils ont partagé avec toi, qu'ils aimeraient qu'on sache? Ouais, tout à fait. Moi, il y a un élément fort important que je dois signaler. Premièrement, c'est un monde de lumière, c'est un monde de création, c'est un monde qui nous aide au plus haut point, selon leur rôle qu'ils jouent ici, à nous aider à transcender l'ancien pour faire face à du nouveau.
du nouveau. C'est-à-dire de vivre ce que nous devons vivre, la renaissance multidimensionnelle en nous. La renaissance multidimensionnelle en nous, c'est la reconnexion avec notre corps d'être-té. Donc, il passe par certains liens. Donc, nous sommes actuellement, pour la majorité des êtres humains, à la création de l'antakarana. C'est quoi ça? L'antakarana, je vais t'expliquer. L'antakarana s'agit simplement d'une infrastructure géométrique qui est juste au-dessus de notre tête, du côté gauche, qui crée nécessairement un lien avec notre canal central, notre tube de cristal, et qui descend directement à travers, si tu veux, notre corps. Nous avons déjà appelé ça l'Ida, le Pingala, le Shushumna. Donc, ils œuvrent à travers ce tube de cristal-là et qui est en train de se fusionner pour rentrer en communion vibratoire avec nous. Ils travaillent également avec ce que j'appelle les couronnes radiantes. Nous avons trois couronnes radiantes, j'en ai déjà dit quelques mots à ce chapitre. Nous avons la couronne radiante du cœur, la couronne radiante de la tête et finalement la couronne radiante de la base, communément appelée la Kundalini. Donc, oui, effectivement, nous sommes en communion vibratoire avec ces couronnes-là. Certains ont ouvert déjà leur couronne radiante de la tête. D'autres, ça a été le cœur, d'autres, ça a été la Kundalini, dépendant du taux vibratoire, mais surtout des lignes interstellaires auxquelles ils ont accès. Parce que les fréquences vibratoires sont différentes pour chacun d'entre nous. Ils travaillent également avec les 373 points d'acupuncture que nous avons à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que chacun des points d'acupuncture représente une porte interdimensionnelle. C'est-à-dire que chacune, donc ça prouve à quel point que nous sommes multidimensionnels, hein. À quel point que nous sommes dans plusieurs dimensions à la fois, puisque chacun des points qui est relié à l'acupuncture est un contact multidimensionnel avec d'autres dimensions. Ce qui fait en sorte, vois-tu à quel point nous sommes multidimensionnels, oui, qu'il y a une puissance qui nous habite, qu'on doit de plus en plus reconnaître. Ouais. Donc, dans leur travail, ils font un travail avec la lumière, mais surtout avec le crop circle. Et comme je te signalais tout à l'heure, lorsque je vais mettre en ligne justement la vidéo sur les crop circles avec leurs explications systémiques, c'est-à-dire à quoi représente en l'occurrence le crop circle et quel est l'effet que ce crop circle fait en dedans de nous. D'accord. Vois-tu, c'est deux messages. Donc, ça, c'est ça en devenir dans les prochains jours. Mais c'est vrai que quand tu parles de tous ces points d'acupuncture qui sont des portes dimensionnelles, interdimensionnelles, ça me paraît tellement loin d'arriver à cette compréhension de tout ça, même si mon mental essaye de suivre tout ça et d'essayer de comprendre un peu, ce qui est des fois un peu dur, mais ça me paraît de reconnecter à tout ça. J'ai l'impression que ça va pas se faire demain, quoi. Je me dis, mais comment on a pu être coupé à ce point de tout ça? Enfin, je pense qu'on l'a on l'a voulu, mais ça me paraît tellement loin de reconnecter à tout ce savoir, à toute cette connaissance. C'est vrai que c'est passionnant, mais en même temps, ça se dit, mais merde, j'ai l'impression vraiment qu'on est des petits bébés, on vient juste de naître et on patauge dans notre barre de sable. Mais, tu vois, Boris, toute cette reconnexion multidimensionnelle se fera prochainement. Donc, quand est-ce qu'elle va se faire? Elle va se faire à partir du moment où on lâche prise. Cela n'a rien à voir avec nos connaissances. Cela n'a rien à voir à ce que je vous dis. C'est simplement l'ouverture du cœur. C'est simplement l'ouverture de notre esprit qui permet justement à l'accueil de ces nouvelles fréquences-là qui va venir adouber, on pourrait dire bénir si tu préfères, toutes nos cellules. Parce que nos cellules sont également, nos cellules d'ADN évidemment, sont interreliées avec ces points d'acupuncture dont je viens de te parler. Parce que chacun des points d'acupuncture possède une fréquence, mais possède aussi un lien interdimensionnel avec nos lignées interstellaires. Ce qui fait en sorte que lorsque l'éveil se fait, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Pas du tout. Les trois éléments que je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient fondamentaux,
Restez tranquille, gardez silence. Ça peut être de la méditation, ça peut être aller marcher, par exemple, dans la forêt. C'est le silence, ça. Et aussi, évidemment, de garder notre maison propre, c'est faire en sorte qu'on n'a pas de jugement, faire en sorte aussi qu'on n'a pas de peur, de moins en moins, en fait. Donc, toutes ces fréquences-là vont nous permettre d'être en communion vibratoire avec tous les éléments que j'ai signalés depuis quelques instants. Ouais, je vois très bien. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Hein, je prendrai pas la parole pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il va falloir un sacré lâcher prise pour arriver à ces reconnexions, quoi. Si on n'y est pas encore, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Enfin, en tout cas, si je suis pas encore, c'est que je suis pas encore prêt. Donc voilà, c'est vraiment passionnant. Mais je peux te dire très passionnant. Ouais, je peux te dire que. Et c'est évident qu'il ne faut pas mentaliser ça. C'est évident qu'on ne peut égoïser ça, dans le sens qu'on ne peut pas mettre l'ego, le mental, à l'intérieur de ça, puisque l'ego, il est très, on pourrait dire, innocent et ignorant de ces mécanismes-là. Donc, c'est pour ça que l'ego, le mental, ainsi que la personnalité, ne peuvent pas poursuivre leur cheminement après l'ascension. Donc, ils doivent être dissous. Et graduellement, plus on vit on pourrait dire, ce silence intérieur, plus on est en mesure nécessairement d'entrer en communion vibratoire avec ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et c'est la découverte, c'est l'implosion, c'est l'explosion qui se manifeste à l'intérieur de nous par cette lumière vibrale. Cette lumière vibrale qui est la lumière de l'amour nécessairement. Et cet amour-là est en train de venir briser, venir dissoudre la frange d'interférence dont je vous parle, qui nous sépare du monde dans lequel nous sommes avec le monde de la lumière. En fait, on pourrait appeler ça comme un écrasement, si tu veux. C'est comme un codex qui va permettre justement d'éliminer cette frange d'interférence pour rentrer d'une façon définitive, totale et éternelle avec la lumière vibrale, avec la lumière blanche. Ouais. Et ben ouais. Et ben on va y arriver, ça va se faire. Mais c'est vrai que l'ego et le mental, je m'observe quand je t'écoute ou même en dehors de ces vidéos. C'est quand il y a le cœur qui est là et qui prend toute la place, tout va bien. Et dès que le mental et l'ego met sa petite essaye de comprendre ça et rentre dans ces discussions, oh là là, c'est tout un paquet de nœuds, c'est assez impressionnant, quoi. Mais voilà, se reconnecter au cœur et lâcher prise et puis être dans le silence. Je pense que là-dessus, tu as tout à fait raison. C'est extrêmement simple, en fait. Oui, c'est ça. Puis à partir du moment où on fait ça, ne serait-ce qu'aller marcher dans la forêt, se connecter à un arbre, se connecter à un cours d'eau, se connecter avec une fleur, c'est pas banal. C'est fondamental. Ouais. C'est d'aider, c'est de garder la fleur lorsqu'elle tu rentres en contact, tu rentres en communion avec, tu la trouves jolie, tu la trouves belle, tu la trouves effervescente. Ouais. Elle est lumière aussi. Elle fait partie de la création, comme toi, au même niveau, au même titre. Sauf qu'on a une tendance, si tu veux, à juger l'apparence de quelque chose. Mais nous sommes tous un, que ce soit la lumière, que ce soit le végétal, le minéral. Peu importe, nous sommes interreliés nécessairement à ce que je vous parlais initialement lorsque je parlais des Hayot HaKodesh, qui sont les quatre éléments de la création. Nous sommes en communion vibratoire avec ça aussi, parce que ces quatre éléments, ces quatre vibrations habitent notre cœur. Mais ça prend un certain temps avant que l'éveil de la conscience se fasse. Et je rappelle aussi que la conscience, c'est un taux vibratoire. La conscience, là, contrairement à ce que plusieurs pensent, ce n'est pas une connaissance. Ça n'a rien à voir aux connaissances, ça n'a rien à voir aux croyances. La conscience, c'est un état vibratoire qu'on traverse journellement, à chaque nanoseconde de notre vie, afin d'arriver à la luminocentricité dont je te parlais tout à l'heure, d'être centrique à l'intérieur de nous, donc de garder le silence, de rester tranquille, puis aussi de se connecter à cette lumière qui nous habite. Ouais. Elle est dans le cœur. Mais elle passe par différents circuits, comme je signalais un peu plus tôt. Mon cher Yvan, est-ce que on arrive déjà au temps imparti pour ces vidéos? Est-ce que tu auras un dernier mot que tu voudrais partager avec nous sur nos amis arcturiens? Oui. Je suis en communion vibratoire avec les Arthuriens depuis quelques années.
J'ai eu le privilège de pouvoir communier avec eux et je communique régulièrement avec eux. Je suis en contact avec eux et je peux vous dire très sincèrement que ces êtres sont vraiment présents avec nous. Ils sont dans notre présence intérieure tout comme nous sommes dans leur présence intérieure. Ce que j'invite les gens à réaliser, c'est que les projections extérieures qu'on a, par exemple, vis-à-vis des Arcturiens, vis-à-vis des Végaliens, vis-à-vis les Pléiadiens, peu importe la race, ne sont que des visions et des projections de l'extérieur. Ils font déjà intrinsèquement partie de nous. Ils sont déjà en nous. Nous sommes tous un. Et ça, on doit le réaliser fondamentalement. Peu importe la race. Évidemment que c'est plus, on est plus prêt à être en communion avec eux à partir du moment où on a ouvert notre cœur, à partir du moment où on a plus de peur, plus de crainte, plus d'appréhension, plus de jugement. C'est à ce moment-là que la réunion se fait. Parce que la réunion avec ces êtres-là est déjà là, est déjà présente. C'est à nous maintenant à lâcher prise sur ça, sur les peurs, etc. Parce que ils peuvent pas se pointer à nous sur un plan vibratoire, sur un plan énergétique, sur un plan éthérique, sur un plan moronciel ou sur un plan anthropomorphique dans d'autres dimensions, tant et si longtemps qu'on n'a pas évacué de nous ces extrapolations qu'on appelle la peur, la crainte et la jalousie, etc. Bien Tous les sûr. mécanismes humains, c'est normal. Ouais. Donc Non, mais c'est c'est normal, et puis ça n'a pas de sens. Enfin, on ne pourrait pas rentrer en connexion avec eux, exact. clairement. Alors que déjà, nous, en tant qu'humains, on a déjà énormément de mal entre nos peuples à ne pas avoir peur, à ne pas être dans le jugement. Enfin, c'est déjà c'est C'est à un nous gros problème en ce maintenant. moment, quoi. Oui, c'est à nous simplement à maintenir ça, cette Ouais. façon de voir. Exemple aussi simple, on regarde la télévision, puis on voit des gens qui ne nous plaisent pas, éviter de juger. Ouais. On voit des gens au marché, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont dans la rue, les gens qui consomment de la drogue, qui, peu importe, on n'a pas à les juger. Ils sont Mais des pas, ouais. parties de nous. Ce sont des Bien sûr. projections. Donc, c'est à nous maintenant à entrer et à réentrer à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre essence qui est cosmique, qui est éthérique, qui est morontielle, qui est lumière, peu importe. Tout ça, nous sommes ça. Nous sommes un tout, nous sommes l'absolu. Et c'est difficile à croire pour le commun des mortels. Puis lorsque je parle du commun des mortels, c'est la personne qui pense qu'il va mourir et que c'est terminé. Je suis désolé, après la mort, il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. Ouais. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion d'en discuter, d'en jaser ensemble. Mais je peux te dire que de l'autre côté, ça a changé beaucoup. Ce n'est plus l'incarnation qu'on a à vivre parce que c'est terminé l'incarnation en passant. Mais on rentrera un peu D'accord. plus loin un de ces jours dans une autre vidéo. Eh bien, avec grand plaisir, Yvan. Merci pour cette conclusion qui me parle bien. Ben j'espère que cette vidéo, cet échange t'a plu. Moi, il m'a beaucoup plu. J'espère à vous aussi ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Yvan, ben je te dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Oui, tout à fait. Si tu On ne sait pas de quoi on va es parler, toujours d'accord. mais Non. de toute façon, on va, on ne sait pas. De toute façon, on sait que ça va être, je rappelle que c'est la lumière qui nous dirige, hein? C'est l'intelligence de la lumière qui nous Ouais. dirige. Donc, à partir du moment où on est prêt, parce que moi aussi, je dois être prêt, hein? Moi aussi, je n'ai pas nécessairement à me préparer. C'est une façon de parler, de se préparer. C'est de retourner vers l'essence qu'on est. Puis à ce moment-là, ben, le tout se fait d'une façon, on pourra dire, lumière. C'est sans. Moi, je n'ai pas de résistance. J'en ai pas. J'accueille. J'accepte. Je n'ai pas le choix. Comment je dirais, j'ai le choix, j'en ai pas. J'accueille parce que j'ouvre mon cœur à la lumière, parce que nous sommes tous ça. Et je suis interrelié avec vous autres, comme vous autres, vous êtes interrelié à moi. Puis comme tous les êtres humains sont interreliés les uns les autres, comme cette grande chaîne d'amour qu'on appelle l'amour inconditionnel ou l'amour vibral, qui est la lumière en somme.
Eh ben merci Yvan, je te dis à bientôt et merci pour cet Je te échange ouvert remercie. et je vous souhaite à tous de très Je te bons moments. remercie également. Je remercie aussi tout le travail que tu fais à titre, on pourrait dire, de personne qui interviewe. Et aussi, je tiens à saluer tous ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Et je rends grâce à tous et à toutes dans ce moment de grâce. Et ben pareil, j'ai pas mieux. À bientôt. À bientôt.